Hi there, how are you? Fine, that's good. I'm Yannick Sayer. Bienvenue dans mes cours d'anglais où aujourd'hui je voudrais vous parler des loisirs, hobbies. La question traditionnelle est la suivante. What do you like to do? La réponse se fait sans attendre avec le verbe to like, aimer. Comme par exemple, I like to play the guitar. Ou encore, I play the guitar. Je vous souhaite un excellent cours à tous. What is your hobby? Quel est votre loisir? On peut également dire What do you like to do? La réponse est la suivante. I like. Le verbe aimer, j'aime. I like, ici, est une généralité. On utilisera le présent. Comme par exemple, dans sa conjugaison, I like, you like, he likes, avec un S. She likes, avec un S. We like, they like. Voyons quelques exemples comme What is your hobby? We like to go walking. Nous aimons nous promener. What is your hobby? She likes to listen to the music. Elle aime écouter de la musique. Notez bien, she likes, avec un S. What is your hobby? They like to watch TV. Ils aiment regarder la télévision. What is your hobby? She likes to dance. Elle aime danser. Ici, she likes avec un S. What is your hobby? We like to travel. On aime voyager. Ou nous aimons voyager. What is your hobby? I like to draw and paint. J'aime dessiner et peindre. What is your hobby? I like to sew and knit. J'aime coudre et tricoter. What is your hobby? She likes to cook. Elle aime faire à manger. Ici encore, she likes avec un S. What is your hobby? We like to read. On aime lire. Ou nous aimons lire. What is your hobby? On peut utiliser I play. Je joue. I play ici est également une généralité de ce que l'on fait par habitude. On va utiliser le présent. Sa conjugaison est la suivante. I play, you play, he plays, avec un S. She plays, avec un S. We play, they play. Voyons cela à travers quelques exemples. What is your hobby? He plays football. Il joue au football. Notez ici que he plays prend un S. What is your hobby? They play video games. Ils jouent aux jeux vidéo. What is your hobby? I play the guitar. Je joue de la guitare. Notez bien ici que je joue de la guitare, c'est the guitar. I like to do ou I like to make. Quelle est la différence? D'un côté, vous avez I like to do, j'aime faire. Et l'autre côté, I like to make, j'aime fabriquer. Voyons quelques exemples. She likes to do her homeworks. Elle aime faire ses devoirs. Ou encore ici, she likes to make cakes. Elle aime faire des gâteaux. Ici, c'est bien comme fabriquer quelque chose. She likes to make cakes.
Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.